Salut les voyageurs, nous nous retrouvons dans le cadre d'une semaine passée dans l'Oberland bernois avec plein de balades, dont celle-ci. Il s'agissait de trouver un camping sympa au milieu de toutes ces montagnes, le voici. Interlaken est quasiment situé en plein centre de la Suisse. Voici les principales villes de Suisse pour t'aider à situer cette région. On retrouve donc ici les deux lacs, celui de Thun sur la gauche et celui d'Interlaken sur la droite. On va zoomer maintenant sur la ville d'Interlaken et la fin du lac de Thun sur sa gauche. Par une série de zooms successifs, nous allons arriver sur la commune de Krattigen où se trouve le camping Stuhlegg. Ça se situe environ à 15-20 minutes en deux roues d'Interlaken. Des emplacements d'une bonne cinquantaine de mètres carrés que l'on repère ici avec une partie gravillonnée et une partie en gazon pour que ce soit plus agréable. Bien de la place pour garer le camping-car. Je pense qu'on peut aller à un bon 8 mètres 50 de long. Un premier sanitaire dans cette zone, bien équipé. Ici, c'est la zone de remplissage et de vidange pour les camping-cars. Remplissage avec jetons récupérables à l'accueil. La partie vaisselle, quelques douches, petit coin pour les bébés. Les toilettes hommes, femmes, et des douches de l'autre côté. Douches qui fonctionnent également avec des jetons. Voilà la piscine naturelle avec des robots et nettoyée par de la végétation. La partie camping-car est essentiellement sur la partie haute du camping que l'on voit là-haut. Il y a une très grosse partie avec des chalets fixes que l'on voit là-bas au fond. Beaucoup de résidentiels. Et ici à droite, une grande partie caravane, caravane tente et quelques camping-cars encore installés au niveau de l'entrée. Voilà à quoi ressemble la partie résidentielle. C'est en fait des mobilhomes qui sont déguisés, hein, avec la partie basse qui est réaménagée. Voilà la partie tente avec une petite aire de jeu au fond. Et on se dirige maintenant vers la réception.
réception toute simple, avec un petit magasin, quelques plats à l'emporter tout simple, style nuggets. Ils font également des pots pour les bouteilles de gaz. Là, l'entrée principale du camping, la réception. La plupart des vannes sont postées à cet endroit. Et c'est dans cette zone qu'on commence à avoir la vue sur le lac de Thun. Les emplacements au niveau camping sont extrêmement peu délimités. Donc ici, on n'est pas dans la logique des haies pour séparer tous les emplacements. Voilà aussi quelques caravanes par ici. Toujours les zones résidentielles. Devine le lac là-bas. Et on va aller le voir d'un peu plus près en prenant à droite. Il y a quelques emplacements, probablement les plus anciens, qui ont une vue époustouflante sur le lac et les montagnes avoisinantes. Il y a une promenade qui passe au pied. Le lieu est extrêmement paisible. Je vais vous emmener jusque la promenade pour voir le coup d'œil et quelques aménagements pour le moins surprenants chez les campeurs. Commence à deviner ici la vue qu'ont ces emplacements. Mais je vais faire le tour par le chemin normal. Et on rejoint un sentier pédestre classique. Son panneau ici. Voilà la vue que l'on a depuis ce sentier qui passe donc juste devant les emplacements des caravanes. Caravanes ici qui ont cette vue. À moins de 10 minutes à pied en bas, le village avec notamment un petit commerce. Petit supermarché. Je continue dans cette balade le long des emplacements. Ça ne fait déjà plus partie du camping. Installer et profiter de cette belle vue. On profite encore ici. Au fond, là-bas, entre les deux lacs, la vigne d'Hinterlaken. À l'autre bout de ce lac, tout au fond là-bas, on devine la ville de Thun.
balade ici. On voit comme c'est joliment aménagé. Apparemment, ils viennent de faire les foins. Ils n'avaient juste pas l'odeur. Des abords très bien aménagés, avec au détour d'un ou l'autre des emplacements, quelque chose de véritablement sympathique. Assez rigolo, très joli aménagement. Voilà, encore une fois pour le plaisir de la vue. La région s'appelle l'Oberland bernois. Au niveau des tarifs, je te les juge. Pour la Suisse, c'est relativement correct. De toute façon, les campings sont à peu près tous au même tarif dans la région. Ce qu'on a trouvé en en visitant d'autres, c'est que dans ce camping-là, on n'avait pas l'impression d'être entassé. C'est pas toujours le cas. Que voir dans la région? Eh bien, mis à part la ville d'Interlaken et la ville de Thun qui valent clairement le détour, c'est toute la région de montagne avec plein de balades. Et je t'invite à jeter un coup d'œil à cette playlist qui va se remplir au fur et à mesure de la publication des vidéos. Nous voici arrivés à la conclusion de cet épisode. J'espère que ce camping aura confirmé tout l'intérêt que tu pourrais avoir à venir visiter cette splendide région. Si, comme cet épisode, tu aimes les vidéos structurées, alors n'hésite pas à t'abonner. Toutes les vidéos sont de ce style. À bientôt !